Bonjour tout le monde, comment vous? S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo, ça va se sentir lumière tout petit et que je vais mettre dans un petit fait noir. Cette année, je vais recevoir un petit message côté mon dit. Oui, nous avons dit après 30 mois ça, mon papa a fait passeport pour petit Dieu qui fait Chili. Est-ce que c'est vous? Réponse là, c'est faux. Parce que le registre civil n'a pas de droit, il n'a pas de droit du tout pour le refuser pour le bon passeport pour petit Dieu. Parce que petit Dieu, il y a une nationalité chilienne déjà, il y a une lettre. Bon, faut-il bref avec nous? Chili a quatre façons selon la constitution de 1980. Chili a quatre façons de posséder la nationalité. Ça que nous avons parlé là, la question que nous avons posé là, c'est la nationalité pour nascimento. C'est-à-dire que si nous avons fait sur le territoire chilien, Chili a une loi. Depuis que nous avons fait sur le territoire, quel que soit le moment où le papa est illégal, il a même une loi avec la nationalité. C'est juste aller dans le registre civil avec le certificat de naissance. Et puis pour deux parents, ils aller pour y avoir le passeport. Mais si par exemple, on le fait. Passeport ou parler avec certificat de civil pas faire le goût. Si par exemple on fait passeport tout maman aller ou bien papa aller les bonal prend passeport il faut que c'est deux parents qui pour venir, c'est seulement ça qui fait le civil tout pas bon passeport. Mais il y a une loi, il faut nous respecter tout. Si on fait passeport on est pas dans timon de faire passeport pas venir avec certificat de naissance timon, c'est droit pour dire pas faire le goût. Si par exemple on prend passeport maman aller papa aller, c'est normal pour dire pas baoul, mais des voilà avec depuis maman aller papa aller, il pas jamais dire que il pas baoul ça. Deuxième façon encore nationalité chilienne, c'est j'aime gagner là, là yo ka prendre même à n'importe qui moment parce que son bagage yo prêté, son bagage yo ba moins. Tant coup ou fait 5 plus que 5 ans sur territoire chilien avec résidence, alors les nous dit résidence là, son chemin dit nous ça déjà, permanence ça définitive, c'est résidence définitive, temporaire c'est résidence temporaire. Ça veut dire depuis l'on gagne premier visa, c'est résidence lié. Ça veut dire si jodi a l'on premier visa dans Chili ou gagne résidence jodi a là. OK? Ça veut dire que là, il faut avoir 5 ans avec résidence pour une bonne nationalité. Et avec l'autre requisito que nous connaissons, faire vidéo de ça déjà. Et bien, il y a même une bonne nationalité, même si je fais un zac dans le pays. Ou bien si je fais un bagage qui pas fait pays à plaisir, je dénigre le pays, il y a une nationalité. Okay? Mais un petit monde qui fait ce territoire, il n'y a pas de nationalité. Les Chiliens, net. Troisième bagage encore qui faut posséder la nationalité chilienne, c'est. Yo nationalité pour nationalidad pour cortesia. Ça veut dire gouvernement qui doit écrire la lizou et hey, monsieur bon nationalité ya. Mais faut que son superstar ou bien si vous son joueur football ou qui a sélection Chili ya, y a bon nationalité ya, même j'ai offert pour confrer nous Givens la guerre que tout le monde connaît Chili, monsieur fait connait que yo dans écrire li bal nationalité parce que c'est un superstar de Chili, monsieur représente Chili bien, monsieur te prend meilleur artiste de l'année, groupe reggaeton boy ça fait hit, so yo juste relé monsieur yo bal nationalité ya. Quatrième bagage encore pour que nationalité ça, c'est si, par exemple, moi suis chilien, je vis en Irlande là, je fais petit ici là. Je vais juste aller dans l'ambassade Chili qui est en Irlande là, je vais faire mon nationalité chilienne. Là, je vais nationalité chilienne par rapport à moi, parce que moi, je n'ai pas la nationalité. Maintenant, tout ça que je dis là, je ne vais pas retirer la nationalité, je ne vais pas retirer la nationalité Givens là. Mais il n'y a pas de retirer la nationalité petit tout qui fait sous terre. Ça, puis beaucoup de monde qui a fait tout chaud avec, pas de monde qui est capable de retirer. Et dans tout cas, ça me souvient que là, tout le monde qui pose des questions, il y a des petits qui sont à l'Haïti avec, ils arrivent à bloquer Haïti. Est-ce que tout le monde n'a pas entré Chili? Tout le monde n'a pas entré Chili, l'élevé, et n'importe le passeport fini, on va l'ambassade Chili qui est en Haïti, il a renouvelé le passeport pour lui. Même Jean-Moyen là, le passeport n'a fini, on va l'ambassade. Et Chili qui est en Irlande là, il renouvelle pas son moment sans danger. C'est là fini mal l'ambassade là, il renouvelle c'est là moment sans danger parce que le style est chilien. Et me faire n'importe 50 ans vivre dans bateau de Chili, ça pas motif pour faire couper nationalité chilienne. Donc, j'espère que nous t'es clair avec Tibaiza et de partager et surtout veillez mon n'a suivi, veillez mon cap informer nous. Et puis comme je dis dimanche, priez pour moi, c'est dans l'église, priez pour moi. Et puis nous avons une prochaine vidéo encore. Pas que les gens qui ont fait un peu chaud, pas que les gens qui sont capables de dire nous, ils ne peuvent pas nous accéder pour nous faire passeport. Nous, nous ne faisons pas passeport. Les nouvelles, les gens nouvelles, côté nouvelles, nous, grands, n'importe quel civil là, supposé faire passeport. Bonne journée. Et puis, allez.